la réussite. Ça génère des inimitiés, Founi, ça crée des ennemis. Ton succès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Elle se retourne contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets ton succès, tu préfères... C'est terminé pour moi, ça fait du bien de courir avec toi, c'est que partie remise, demain je vais l'allumer. Là fais la folle, hein, mais demain je vais la gâta. C'est terminé pour moi. Vous voulez que je vous dise la vérité ou pas? Ça m'a fait du bien de courir. J'ai fait 6 km en 32 minutes comme vous avez pu le voir. Mais là, je commence à avoir des crampes de malade. Là, limite, je marche, mais j'ai vraiment du mal. Ça me fait mal déjà, ici sur les cuisses. Je sais pas si je dois glacer, si je dois boire beaucoup d'eau. Mais demain, je recommence. Obligé, faut que je reprenne là. Vu que ça fait 4 mois que j'ai pas couru. Qu'est-ce qui va me sortir? Et ça, c'est pour sentir bon. Je vais sentir de Marseille, là. C'est la Marseillais. T'es un Marseillais? Eh ouais. Attendez, j'ai mis ça aussi. Mais c'est quoi ça? Mais c'est truc pour faire du thé, ça. Je m'en fous. C'est pour sentir bon. Regarde. Eh mais voilà qu'il est vraiment sérieux. Mais je comprends pas. Comment tu peux avoir les pieds noirs? Hein? Alors tu portais des chaussettes? C'est parce que j'ai plus. La côte de Marais, je pue trop. Et puis, je vais mettre ça, je vais sentir le Marseille. C'est la Marseillaise. Oh là, j'en peux plus. Oh là. C'est à qui tu ressembles? Griezmann. Attends, trop du cul. Est-ce que tu sais que je suis fâché? Pourquoi? Tu te dis pourquoi ou pas? Ouais. Hier, t'as fait une rencontre inattendue avec une femme. Et même pas, tu prévenais ton grand frère. Et du coup, vous avez fait quoi hier soir? Elle était dans les chambres d'hôtel. Je payais moi. Je commence à avoir chaud. Sur Snap, il m'envoie des messages et il me dit. Oui. Je vous ai dit, il fait toujours le con à chaque fois que je le parle. Il est jamais sérieux. Il est jamais sérieux. Est-ce qu'il paraît, toi et lui, vous êtes les meilleurs amis? Est-ce que c'est vrai ou... Non, non, qu'est-ce qu'il va faire, Pauline? Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais? Wesh! Wesh! Il va tomber avec! Je te cherchais depuis tout à l'heure. Dis-moi. Où est-ce que tu étais passé? La vérité, je cherche une meuf. Voilà. À cette heure-ci, tu cherches une meuf? Ouais, voilà. Mais tu penses qu'en faisant ça, tu vas la reconquérir ou pas? Je suis vraiment éclaté. Mais pourquoi tu ramasses tout ça là? J'ai investi sur des carottes, mon père il l'a jeté par la fenêtre. T'es pas sérieux là? T'es vraiment sérieux ou pas là? Frère, j'ai investi 50 euros le carton, frère, je suis en père. Wesh! Aide-moi à ramasser à son. Regardez ce qu'il a fait son père. Je te donne des concombres. Mais voilà, la Adim, je t'aide pas, frère. Il a travaillé un frigo, mais c'est quoi? Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais frérot, viens, arrête-toi. S'il te plaît, juste arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais avec le frigo cassé? Ça délire. Voilà. Eh, vas-y, dégage. Voilà. Eh, ça commence à délirer là. Je viens d'arriver et je vois que l'équipe est au complet. Franchement, ça fait plaisir. Je vais vous dire un truc. Il y a le camion à crevettes qui va arriver là. Et cet après-midi, ouais, elle est pour vous. Mais attendez, je comprends pas. Pourquoi vous m'appelez Yassoun et pas Assoun? Yassoun. Ils ont pas compris. Là, direct, tu viens voir moi. Tu m'as dit, écoute, Assoun, je vais être capable de te montrer. J'ai la cagnotte pour la bière déjà, regarde. Mais il me manquera le chapeau de paille de cowboy. Mais tu fais quoi avec des pètes de 5 centimes, 2 j'ai centimes? J'ai la despé là. Mais j'ai pas là le chapeau de paille de cowboy. Tu vas acheter une despé avec cette chaleur là? Ouais, moniteur, s'il te plaît. Achète un moniteur. Le moniteur de Saint-Jacques, tu sais. Il y a que toi qui le fais. Mais la vérité. Je dis que j'ai les cheveux d'argent, mais lui, il fait les plaques.
Vas-y, tu fais les plaques. Vas-y, vas-y, montre. Montre. Encore des frisages, dis ça, d'accord, mais pas les plaques quand même. Il fait les plaques ou pas? Toi, tu fais pas les plaques, mais. Voilà. Oh, t'es foutu, mec. Regarde, à peine arrivé, à peine monté. Regardez, ils ont déjà pris les places. Le camion. On va crever. Oui. Le camion pour mettre de mer. Reste les deux mots. Oh putain. Oh non non. On passe à la story de Kinaï Santiago Sissi sur Snap. Les gars, je le retrouve devant une vitrine de manger, c'est un truc de fou. Kinaï, je t'ai déjà dit, ça c'est ma vie. Ça c'est ta vie ça. Tu peux pas rester sans manger. Tu penses qu'à ça. Il pense qu'à ça, les gars. On va essayer de lui prendre une frite au moins. Oh, qu'est-ce que tu fais? Lâche. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, mais il y a le sel encore, Quel sel? Tu fais ça pour du sel? Jamais de la vie, trop. Tu vas manger mes frites sans moi. Sans ça, moi, j'ai rien. Il ne veut pas me donner une frite. Une frite, les gars, c'est rien une frite. Regardez le sosie de Mansour. Au quartier, les gars, on l'appelle le petit Mansour. Dis-moi, j'aime bien la France. J'aime bien la France, je sais pas pourquoi. C'est le même que lui, le même, les gars, c'est son sosie. On l'appelle comme ça au quartier, petit Mansour. Madou, aujourd'hui t'es parti à la plage, mon frère, j'ai vu dans ton snap. Ouais. Tu peux pas m'appeler, ouais, Kinaï, mon frère, tu veux venir, je sais pas, ouais, me préviens-moi au moins. Après, moi, tu vois, je me réveille tôt, moi. Comment? Tu te réveilles tôt? Ouais, ça veut dire que je vous dormir jusqu'à je sais pas quelle heure, moi j'ai pas le temps pour ça, moi. T'as pas le temps? En plus, je suis allé tout seul. Et tu m'as pas appelé? J'étais bien. Il m'a même pas appelé. Comme ça fait longtemps que je te vois pas danser, là, je vais te donner un défi. Et je vais te juger. Si tu sais vraiment danser, si tu danses bien, je vais te passer 50 euros pour demain. Non. Pour toi et ta femme. C'est bon? Vas-y, on va voir ça. Ça fait longtemps, les gars, je le vois pas danser. Je suis obligé, là. Je vais voir si c'est vraiment danser. Là, je te dis la vérité, t'as bien dansé, tu m'as choqué. Tiens, les bons comptes font les bons amis. Il est content. Et c'est vrai, les gars, il s'est vraiment dansé, mon petit frère. Là, je te dis la vérité, 2024, les gars, les petits de mon quartier deviennent fous. Regardez la tête qu'il a. Tu vois pas, mon frère, que ça ressemble un peu à une salade? Mon frère, June, il sait pas de sa faire. Comment? C'est pas tes affaires. C'est pas mes affaires. C'est moi, c'est pas toi. Ok, ça c'est vrai, c'est pas mes affaires, les gars. Mais on dirait une salade. Les gars, là je vous explique. On va faire une sortie avec tout, mais vraiment tous les petits du quartier. Et là, on va pas tarder à décoller. Vous êtes chaud, les gars, pour y aller? Oui ou non? Vous êtes tous chaud là? Il est arrivé au quartier, les gars, regardez les chiens. Ils sont trop chauds, les gars. Et là, on est venu à la plage, mon frère. Je te comprends pas, tu viens avec une guitare, mon frère. C'est normal. Au moins, chante. Chante. Ah, c'est ça ton chanté à toi. Fais n'importe quoi. Là, on passe à la story de Waharani, Boss La Chienté sur Snap. Aïe, un souffle. Tu le sais. Alain, tu le signes, c'est le dessert, c'est le dessert. Ça ramasse, je vais te dire un truc. Oui, dis-moi. T'as vu lui? Oui. Alilou, ouais. Il a parlé derrière ton dos. Alain, j'ai envie de laver. Il a parlé du tout. Non, mais Alain, mais pas, je le sais, mais il parle pas. C'est une machine. Alain, fille d'Arabie, Yougoslavie. Ah, non. Ouais. Tu le connais pas. Voilà, tu le connais pas. C'est un chalat, Adam. Tu parles avec quelqu'un. L'Arabie de chalat, il y a une politique. Il n'y a pas de politique. On c'est est là, vrai. Sabi. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est vrai. C'est vrai. Tu le sais, toi, tu l'aimes beaucoup, toi. C'est vrai. Allez, dis-lui bisous, montre-lui. Dis-lui bisous. Montre-lui. Mais elle a quand même défoncé ou pas? Ça va. Abîme mon ex.
Bon, oh, monsieur, tu fais quoi? Ça va quoi? Bien. Tu vas où? Vas-y, allez, là. Oh, yo, yo, oh, là, maintenant, là, maintenant. Oh, là, maintenant. Là, là, On passe à la story de Michel Perpigne sur Snap. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Oui, ça marche. Oui, ça marche, c'est là. Bon souci. Mais là, il faut les retourner, les gars. Oui, quelle stratégie. Je suis de la part de tout petit. Les mains derrière le dos, les mains derrière le dos. Oh, vous gagnez, vous gagnez. Vous en avez déjà rentré une. Là-bas, ils en ont même pas encore rentré une, c'est guignol. C'est bien, mais quel travail d'équipe. Mais quel travail d'équipe. Oh là là, peut-être qu'ils vont revenir. Ouah. Allez, oh là là, il vous en reste 3. Allez, plus que d'aller-retour, Michel. Plus que d'aller. Oh là là, oh là 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 là. Allez, tu peux revenir. Tu peux revenir. Il te reste une poule, Moussi. Il te reste une poule. Oh, et ça va, si t'en reste 2. S'il la met, il gagne. Il a gagné, le salon. On passe à la story de Crevette 66B sur Snap. Wesh, Pélo. La fête est de la nanny. Wesh, Pélo. Wesh, Pélo. La fête est de la nanny. Wesh. Mais Simon. Pourquoi il bouge là, putain? Oh, 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 c'est des chiens, doucement. Oh, oh, oh. C'est des bébés, Simon. Mais il bouge là. Ben, ils cherchent leur maman pour boire le biberon. Nom de Dieu, il est. Fazé bébé Slimy. Où tu vas aujourd'hui? Ouais. Et c'est pour ça que t'es content? Ouais. Mais qu'est-ce que tu lui dis à Nasdas? Je t'aime, Nasdas. Mais tu l'aimes tous les jours ou quoi? Après, il me jette pas à la piscine de Nasdas. Mais et si tu jettes à la piscine et qu'il y a le. Comment il s'appelle déjà? Crocodile. Tu veux qu'il enlève le crocodile? Eh ben, on va aller, on va l'éclater. Ouais? Et si Maggie il parle, qu'est-ce qu'on lui fait à Maggie? Non, moi je l'ai mis dans la piscine et après il nage. Ouais, mais à Maggie, qu'est-ce qu'on lui fait si à Maggie? Maggie? Ouais. J'aime à Maggie, Dada. Ouais, mais la dernière fois t'as dit que tu voulais. Madame. Oui, mais la dernière fois t'as dit que tu voulais défoncer Maggie. Non. Si? Non. T'as dit connard à Maggie? Non. Ah, t'as peur, hein? Ce midi, ça va être un petit repas soft. Eh, espèce de voleur, tu veux me voler ma cuisse? J'ai mangé. Tout ça, c'est pour papa, hein? Tout ça, c'est pour moi. Non, je te jure que c'est pour moi. Ah, tiens, tiens, je rigole, je rigole. Tiens, ma gueule. Je crois que c'est vraiment énervé, non, Reda? Ça, c'est une felfla mechouilla au feu de bois. Elle a un goût. Franchement, je vais même pas vous dire, hein. Mais c'est un truc de malade. En fait, c'est cuit. C'est des poivrons cuits à la braise. C'est... Laisse tomber. Comme vous pouvez le constater à mon visage, avec ma bonne mine, et surtout avec ces cachettes imprévisibles, merde. Oh. Mais ramassez. Regardez-moi ce pompiste. Regardez-moi ce pompiste. Roya! Les 100 000 hein? 100 000! Ouah, 100 000! 500 000 tel fou la. La 200 000, 200 000! Ça va, Rakimliya? Un peu la chaleur! Un peu la chaleur! Ça, t'es un vaillant, mon frère, tu travailles dans la chaleur hein? Ouais. Ah bah? Tu casses les couilles! Quoi? Tu casses les couilles! Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va passer une bonne après-midi! Et ce que j'aime bien, c'est la vie de papa! Regardez comme l'ancienne! Voilà, un petit sac! De l'eau pour les enfants. Un peu de gazouz, un peu de limonade ici. Et let's go. Franchement, seuls les vrais se rappelleront.
Elle vous dit quoi cette casquette, l'équipe? Elle vous rappelle quoi? Franchement, seul les vrais sera. Alors, bande de crooners, je vous ai manqué! Le camion, putain! La cravate! Frérot, t'es serré ou quoi là? Touya, tu viens me connaître que toi? Deux par deux. Qu'est-ce que vous faites? La fiche ouverte. C'est bon, mets-toi là. Ouvrez, ouvrez les mains, ouvrez. Ma mère. Ouvrez la mère. Voilà, deux par deux. Eh, je vois, il y en a, respecte pas le deux par deux, je te vends du force à vous tenir les mains. On y va. On passe à la story de Lorraine qui part en Tanzanie avec Angie. C'est normal, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Allez, on y va, qu'est-ce que tu fais? Arrive à la... Elle est au lit, c'est normal, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Allez, on y va. Regardez ce qu'elle me fait faire, elle a déjà oublié un truc. C'était quoi, t'as oublié? Le chargeur. Mais je me suis réveillée à 3 minutes, Lolo, c'est sûr, j'ai oublié plus que ça. Ah, déjà, ce que j'ai le temps. Oh là là. C'est bon. Ça vaut pas le coup de se lever tôt, on vous donne des pains au chocolat de la veille. C'est une arnaque de fou, le pain, il est sec. C'est la première fois que je me lave à 7h, je suis comme sur ça, on mange pas les trucs. On se lève plus, ça y est. Ça vaut pas le coup de se lever tôt. Nouveau mec, je suis dans l'auto, je roule, fuck les RER, là, je suis jaloux. Je vais aller au Burger King. Je vais aller au Burger King. Andy, c'est à gauche. C'est à gauche, j'ai vu. À porte A, à gauche. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit c'est meilleur que Burger King. Je sais pas où elle m'amène, mais je sens que c'est une empire. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit... Oh là là. Ils ont remis mon truc préféré. Je suis trop contente. Ah, Lolo, elle est heureuse. Quand je vois tout ça, je suis heureuse. Mignac, qu'est-ce que tu fais, Mignac? On va attendre au même endroit, même chose. Il y a tout le monde qui me donne. Mais encore, tu râles? Que je râle pas. Mais tu sais quoi, va-t'en loin. Ciao, Mignac. Ciao, bye. Il y a tout le monde qui me donne. Par contre, je crois vraiment qu'Angie s'est fait absorber dans le trou. Parce que je la vois plus du tout. Je suis en train de m'inquiéter. Elle va sortir par là. Comme les valises.
Regardez Angie, elle a pris un bracelet avec un bitmoji qui ressemble vraiment à sa gueule d'aujourd'hui. C'est une connasse. On a payé 50 euros des poutines, on a 2 milliards. Ah non, mais est-ce que tu vois ta dégaine, s'il te plaît? Voilà. Oui, t'as une dégaine. T'as la même dégaine. Non, mais la mienne, elle est plus belle, tu sais pourquoi? Parce que je râle pas, moi. Mais je râle pas. Toute la journée, toute la journée, elle est en train de râler. Regarde. Voilà, au moins on est dans les règles. Mais si Angie, il faut le faire, c'est important. Allez, viens, on avance. On passe à la story de Loriana.srl sur Snap. Dans un restaurant en Belgique, genre en mode les serveurs ils viennent avec différents plats. Et en gros, c'est nous, on compose l'assiette de ce qu'on a envie. Regardez. Merci! C'est trop bien! C'est trop bon en plus! Rodizio, on dirait. Allez, un peu d'ananas. Un peu d'ananas pour madame. Ah, c'est grand! C'est... Tu veux toi? Tout allait bien. Regardez où ils m'ont emmené les garçons. Eh, la vérité, je stresse. Pourquoi il est en stress? Laisse tomber. Mais je crois que vous vous rendez pas compte là. Oh là là, oh là là. Je regarde même pas en bas tout à l'heure. J'ai peur du vertige. Non. Ça va, Ayoub, tu te sens pas trop au sel? Tu fais quoi? Je me régale. T'as pas peur? Je suis bien en fait. J'arrive pas à respirer. À mes côtés pour l'éternité. Jamais pété. Mais pourquoi il y a des essuie-glaces? Oh. Mais ça fait 10 minutes, on est arrêté au milieu de la route. Mais arrête-toi. Je sais pas, vas-y, au pire, fais avec. J'ai jamais pété devant toi. Toi aussi, tu veux écouter? Je te mens pas, j'ai entendu parler de. Sacré bolide, ça veut dire. Bref. RS location. De location qui se trouve sur Marseille. Bon bref, je me suis éloignée plus exemplaire. Pourquoi? Moi, voiture à louer et tout ça. Photoshopper ces photos, ça c'est nul. J'aime bien taper Instagram, c'est du 3 fois filtré. On passe à la story de Angie.chéri sur Snap. Coucou. Bon ben c'est le grand départ. Je me suis réveillée il y a exactement 3 minutes. Lolo, l'hyperactif du matin, elle est là. C'est parti. Oui papa. Ben, je suis sur la route et je viens à peine de récupérer Angie. On vient juste de partir. On vient à peine de partir. Putain, je suis raté.
À Madrid, nous restons 4 heures d'escale. On prend un nouvel avion qui nous amène à Zanzibar. Et nous serons en Tanzanie demain matin à 6 heures. C'est un sacré périple. Ok, on va faire une prise de risque de fou. Mais en fait, là, on vient d'arriver à Barcelone. Il est 10h40 et l'embarquement, il est à midi ou midi et demi. Donc, on nous va allons dormir. Youhou. Mais imaginez, on se réveille pas. Oh putain, on s'en fout, j'ai trop sommeil. Ouais, bref, on est dans le parking de l'aéroport. J'espère qu'on va se réveiller. Oh my god. Oh, dites-vous, on vient de se réveiller. Je viens de voir vos messages. Vous êtes trop chou. Je vous aime trop d'amour, plus que tout le monde. J'ai dit à un pote à moi de m'appeler au cas où si je décrochais pas. 19 fois, 19 mois, il a appelé. Oh, allez, go, vite. Non mais en fait je t'explique, j'ai une maladie. Genre quand je dors dans mon rêve, c'est comme si j'étais somnambule. Je raccroche, j'éteins les réveils et tout, mais ça me réveille pas. Mais pourtant je me fais en dormant, genre. Sorry pour tous mes amis qui ont voulu m'aider, mais je suis compliquée à réveiller. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais en fait avec ma carte bancaire, c'est la Platinum Revolut. Eh ben, j'ai accès gratuitement à tous les salons d'aéroport VIP Business of the World. Donc en gros, ben, regardez, Lolo, elle est en train de découvrir ça. Elle est en train de rentabiliser le buffet. Lolo, en fait, on l'appelle Bénéfice Max. Quand il y a un truc gratuit, t'es sûr, elle te le renta. Bénéfice Max dans le cœur de chut. Aïe, oh là là. On est avec des gens sérieux. Oh là là. Roloto. Qui se souvient de mon Roloto? Roloto, t'as vécu avec Lorraine, avec nous à Marrakech. Tu sais ce que c'est le Bénéfice Max? À Madrid, mes amours, le vol il a duré 3 secondes. Je suis arrivée, je me suis endormie, j'ai même pas senti qu'on avait décollé et après j'ai senti qu'on a atterri. La team, je me lève de dormir. Bonne journée à tout le monde. Il fait très bon dehors. Mais en plus ça fait de la déco, c'est pas. Ah non mais tu vas pas me faire porter des brassards. Si, ils sont beaux, Angie. Ou sinon t'as un noir. Trop décalé, elle veut liquide, je suis dans le honneur, me demande de. Tu joues à quoi? Ben c'est l'anti-moustique. Il me piquera pas les yeux. Et on finit avec la story de Crimo 2 sur Snap. Pour la première fois de ma vie, j'ai goûté les frites belges. C'est à tout moment, c'est une sauce imaginaire aussi. Oh, c'est trop bon. Je vais goûter toutes les sauces aussi. Buenas tardes. Si. Merci. Ça se passe comme ça en fait. Moi je veux bien moi. On va se régaler à Dréré. Ça c'est intéressant ça, oui. Ah oui, la pince ça, oui. Merci bien. La passe, la passe, la passe, la passe. Et deux, deux. Et pour moi. Tu vois? Pas. C'est pour qui ça? Moi. Ça, c'est pour Lolo. Moi. Cadeau, cadeau. Cadeau, papa. Je suis censé me sentir visé, j'ai pas compris là. Tu me coupes des petits morceaux, hein? Eh, hey, mange-le. Ouais, je suis sur les autres, faut pas trop faire. Ouais. Là, je suis à Bruxelles, la fois je voulais t'envoyer un petit message, tu veux pas me répondre. Tu veux pas me répondre, je suis à Bruxelles, là, je suis à côté de la foire du trône. Je m'ennuie à fou, dis-moi s'il y a des plans. La police de Bruxelles, ils font peur à fou.
Voilà, t'es fou. Je vais marcher tout droit. Je vais pas m'arrêter. Oh, tu saurais pas me dire où c'est la foire du trône. Bien, là, là, du casse, la foire du trône. Tout droit. C'est tout droit, par là. Ah, fou, tu t'es trompé de sens. Tu vas marcher, tu vas faire un tour. Là, là, la foire, moi, c'est bien qu'on va manger des petites frites belges. Des petites frites belges. Ah, je voulais aller à la foire, à la du casse. Ah, fond, là, pour l'instant, on va aller à l'épicerie. Des bonnes petites frites belges, j'ai bien mangé. Oh, je te mens pas, les frites belges, franchement. Ah non, c'est bien, chef. Ils tiennent leur légende. C'est bien, chef, faut manger, après, faut aller s'amuser. Free for Gaza, ça bouge pas. Ça, j'aime bien ça. Bruxelles, Gaza, on est ensemble. Fort. Fort. Sur mes morts. Mais t'es sérieux ou quoi? Pourquoi tu m'amènes là, frère? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. S'il te plaît, arrête de me prendre moi, frère. Ah, mais je comprends pas, j'ai demandé une épicerie, tu me ramènes un sex shop. T'as pas honte? Hein? Hein? Hachem? Hachem la buffette? Hachem la buffette? Tu me ramènes, je te demande une épicerie, tu me ramènes un sex shop. C'est là! Je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai le droit? Oui, t'as le droit, j'ai demandé. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, chaud. Voilà, j'ai des frissons. Ah, Tourcoing. Ils sont où? Ah, oh, sur mes morts. Oh. La Belgique, qu'en fou. J'ai peur qu'ils mangent, je me tiens, je m'en. Voilà, les mecs, j'ai peur. Pourquoi ça bouge? Pourquoi? Pourquoi ma lumière elle marche pas comme vous? Hey, sur mes morts. Ah. Elle a fait, elle est en train de flipper. Oh, vas-y, on fait un TikTok, t'es chaude. Mais t'es. Bon. Oh, j'ai peur de rire. Oh putain! Ça déconne! Ah, mais quoi, on est bloqué ou quoi? Hey, c'est la merde! Ah non, t'as pas le droit de sortir! Non! Oh! Qu'est-ce qu'il a fait là? Il va se faire tabasser! Oh! Il est en stress! Je vous jure, ça fait peur parfois. Et quand tu montes, je ressens une boule dans le ventre. Ça va, Youp, tu te sens pas trop au sol? Il en peut plus! Oh, là, ça fait un contrepoids! Tu fais quoi? Il a... Ta vie elle est simple, tu fais ce que t'as à faire, ta petite journée tranquille, tu finis, tu rentres à la maison, tu dors, tu restes avec la famille. Ta vie elle est simple, tu fais ce que t'as à faire. C'est pour moi? Hein? C'est pour moi? De quoi? Le jus? Tiens. Ça. Quoi ça? Ça? Non. Je parlais du jus. Je veux te faire par le micro. Je t'ai donné du jus. Non, moi je veux pas ça. Justement. Voilà, mis toutes ces disputes, faut qu'on s'arrête. Les rois mes semblables qui passent au palais, il faut les donneurs, il faut les responsables. Je te crois pas. La tête d'homme que c'est vrai. Mais arrête de me dire que c'est vrai, gros. Frère, j'étais en train de jouer à Warzone, y'a un mec qui m'a tué, regarde son pseudo. Enfant de Crimo, la tête d'homme, moi, c'est une dingue. Bah, en fait, tu vois le point enfant. Il fait des gosses pas. Arrête de dire, tu vois là, c'est ton enfant lui, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais je comprends plus. Vous êtes à fond sur moi. C'est un pressing, t'as peur. Regardez, je sais pas si vous connaissez, pour les chats, y a des croquettes, ils leur font laver les dents. Ça y est, t'as entendu mon gars? Quand il entend, il fait des cas. La nuit, ça y est, c'est parti. Je vais lui donner. En fait, je sais pas comment ils se brossent les dents, les chats, mais en tout cas. C'est un goût de croquette. Ouais,
ça y est, tiens. En fait, je lui donne un peu de ça. Après, je vais lui donner un peu d'autre. Quand il aura mangé tout ça. En tout cas, c'est le goûter. Ce soir, il mangera un bon pâté de riche. Dealer Simba, sur mes morts. Viens à Grenoble, il y a un énorme centre commercial, il y a même Primark. Oula, même toi, genre. Non. Hein, Belek, tu m'aurais dit aller, je sais pas moi, JD. Tu me dis Primark, dans quelle ville il n'y a pas Primark? Et regardez comment c'est un vicieux type, parce que là, moi, je viens de lui donner des croquettes. Je suis parti, et maintenant, il fait des câlins à madame, il lui dit j'ai faim. Et elle lui donne du pâté. Maman. Mais je viens de lui donner. Et les croquettes? Là, je lui ai donné celle-là, moi, pour laver les dents. Je lui ai donné déjà ce matin. Ah, bah il s'est lavé les dents deux fois. Ouais. Gros chat. Arrête. Il a pas son allergie. Les gars, je suis en pleine allergie. Il m'a sauvé. J'ai trouvé le médicament. Ça y est, arrête. Là, t'es super gênant. Tourcoing, faut qu'on arrête de faire ce genre de snap. Ah, me dis même pas que t'as fait ça, Tourcoing. Voilà, me dis même pas que t'as fait ça, Tourcoing. Là, on est arrivé à Décathlon. La piscine, elle est pas ouverte encore. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai oublié à la piscine, la dernière fois. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi là, on est devant Décathlon? Bah, parce que je vais acheter un maillot de bain. Et vas-y, viens l'acheter. Pourquoi tu me dis, je sais pas, laisse-moi passer. Oh, il fait trop le mec, il a pas de levée. Il a oublié son argent à la maison, comme d'habitude, toujours. Quand c'est pas un frère, c'est l'autre. Ah, on a des frères techno, j'en. En fait, ce mec, il est trop à l'aise à la caméra. Vous avez vu, juste avant le snap, il me dit wow, dinguerie, j'ai oublié mes levées. Je dis non, mais dis pas ça, on est à Décathlon. Et là, juste après, je sors le snap. Il me dit j'y vais là, je rentre à Décathlon alors qu'il me demandait de faire demi-tour. C'est un narvalo. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas. Et aujourd'hui, ben, les principaux membres de la team Nasdas, les plus anciens, n'ont pas snappé. Les plus anciens, Farah, elle a un tout petit peu snappé, mais elle a eu, il n'y a eu que de 20 ou 30 secondes. Donc je me suis dit, je ne vais pas passer pour 20 secondes. Mansour aussi, il a snappé 20 secondes. 4BDV, il n'a pas snappé. Tounsi, il n'a pas snappé. Samosi, il a snappé, mais bon, que des placements de produits. Qu'un placement de produit, je me suis dit, je vais pas le mettre. Cappuccino, bon, lui, il a une excuse, il part en showcase. Y en a plein qui n'ont pas snappé aujourd'hui. Moi, je me suis dit que Saïd Nasdas, il a arrêté il y a un mois, le 26 juin. Je me suis dit, ils vont en profiter. Ils n'en profitent pas. Justement, c'est là où il faut faire du contenu, tout ça, pour pallier au manque de Nasdas et voilà, et progresser, évoluer en termes d'abonnés, du nombre de vues. Donc, du coup, aussi, gagner aussi en prix de placement, tout ça. Donc, voilà, Gaté, lui, il est en Turquie, toujours en Turquie. Bon, j'ai pas trouvé sa story extraordinaire pour la passer. Gatewa, il est. Et Crevette qui va acheter, qui a annoncé acheter un deuxième camion parce qu'il y a trop de jeunes à Saint-Jacques. Voilà, pour les sortir à Canet-Plage, à Barcarès, Argelès, voire Banilus aussi, Collioure, etc. Pourquoi pas Le 4 aussi, Port-Le 4. C'est pas si loin. C'est juste à côté de Barcarès. Voilà la côte du golfe du Lion. Et après, côté espagnol, c'est la Costa Brava. Donc, voilà pour les stories du jour. Pas grand chose à dire. Angie qui part en Tanzanie à Zanzibar. J'étais persuadé que c'était en dessous de l'Inde, vers le Sri Lanka. Voilà. J'étais persuadé que c'était vers le Sri Lanka, mais la Tanzanie, c'est vers où? Il me semble que Zanzibar, c'est une île. Je pense que c'est plus une île vers la Réunion. Je sais pas, j'ai même pas regardé sur la carte. En tout cas, elles ont choisi une destination au hasard. Zanzibar, voilà, on verra demain comment c'est Zanzibar, voilà. Alors, on a pu voir aussi Nasdas, une apparition de Nasdas. Dans la story de Kinaï Santiago,
À la fin de sa story, ou à la plage, il dit aux jeunes du quartier de Saint-Jacques, mettez-vous deux par deux, comme à l'école. Lol. Donc, il participe un peu à la. De temps en temps, il vient au quartier, tout ça, mais il ne participe plus au snap. Voilà. Il ne participe plus au snap. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà, on attendait plus 4BDV, Tunsi, Caput, bon, Cappuccino, il a eu des problèmes et il a un showcase. On attendait plus. Bon, Farah, il a pas mal snappé. Farah, Samos aussi, il a pas mal snappé. Mais on attendait plus 4BDV, Tunsi. Voilà, les anciens membres. Voilà, les anciens membres. Avant que Tourcoing, Lenny, ils arrivent, tout ça, c'est vraiment les, on va dire, les membres historiques de la team Nasdas. Et après, est-ce que Nasdas, il va revenir? Moi, je pense qu'il va revenir en septembre à la rentrée, qu'il va prendre des vacances, qu'il va, voilà, qu'il va revenir, voire peut-être même en août, ça va peut-être le démanger, peut-être pas. Peut-être qu'il va pas revenir en septembre, peut-être qu'il va revenir en 2025, janvier 2025, peut-être qu'il va revenir l'été prochain. Peut-être qu'il va prendre une été sabbatique. Peut-être qu'il ne va plus revenir sur Snap du tout. Le premier Snapchatter de France avec 8,8 millions de followers. Après, ce n'est pas le premier influenceur de France. Le premier influenceur de France, c'est Thibaut InShape qui passait devant avec 20 millions d'abonnés, 21 millions d'abonnés. Il est passé devant Squeezie. Norman, il a pratiquement arrêté, je pense. Après, il y a qui? Il y a Squeezie. Excusez, je crois il a 18 millions d'abonnés, 19 millions d'abonnés. Après, Thibaut InShape, lui, il a pris un credo un peu international avec des vidéos short sans parler. Du coup, il conquiert du public non francophone, anglophone, hispanophone, tout ça. Donc, il avait dit, va voyager, va voir si on va le reconnaître. Donc, Thibaut InShape, très fort. Je l'avais découvert, si je ne dis pas de bêtises, en 2013. Quand il avait 1000 ou 10 000 abonnés, Thibaut InShape, c'est incroyable. La première vidéo que j'ai vue sur Thibaut InShape, c'est la whey, les protéines en poudre. Ah, c'est des protéines de lait en poudre, c'est pas du dopage, tout ça. Et sa vidéo sur les 10 000 abonnés, je pense, ou sur les 1000 abonnés, sa vidéo sur les 10 000 abonnés juste après. Et là où il a vraiment explosé, c'est quand il a couru à poil dans un champ de blé. Lol. Qu'est-ce qu'il est quand? Après, il a fait beaucoup de partenariats et de trucs chez les pompiers, des vidéos chez les pompiers, chez certains travailleurs, chez la police, chez l'armée. Le salon du fitness. Donc, est-ce que Nasdas va essayer de le challenge, de dépasser Thibaut InShape et d'avoir plus de 22 millions d'abonnés? Est-ce que Nasdas va percer? Lol. S'il veut, je suis son manager pour l'aider à percer, pour essayer de trouver des idées, pour tenter des trucs, tout ça, je sais pas, non, je rigole. Mais je pense qu'il peut faire plus encore, Nasdas. Ou peut-être, voilà, il a ramassé tellement de fric, il a peut-être ouvert des commerces et qu'il va se concentrer à sa vie privée. Voilà, il y aura moins d'ennuis que sur les réseaux sociaux, je sais pas. Et moins d'ennuis aussi avec des membres de la team. Voilà, comme il s'est fait trahir à plusieurs reprises par des membres de la team. En commençant par Noiro, lol, qui a quitté la team Nasdas pour la team Castellife. Je sais pas en fait. Asia, en tout cas, ouais. Asia, ouais, elle lui a fait vraiment un truc. Elle lui a fait vraiment peur. Comme quoi, elle s'est fait enlever à Marseille. Il demande une rançon, tout ça, alors que c'était faux. Asia, par contre, triste nouvelle. Il y a des gens qui l'ont filmé à Join-les-Pins. À Join-les-Pins et à Cannes, il me semble, à Join-les-Pins. Et elle faisait vraiment. Il y a les pratiques des ballons, mais il y a aussi une pratique de ballon qui est très, très dangereuse. Faut pas faire ça n'importe comment. Et elle a fait un truc qui peut être très, très dangereux. Qui peut être mortel. Je trouve que c'est triste de faire des trucs comme ça. Peut-être qu'elle avait plus de trucs. J'espère que ça va aller mieux. Elle s'est embrouillée avec son ami Piu Piu. Je trouve qu'elle était mieux avec Piu Piu parce que on la voyait plus active sur les snaps. On la voyait tous les jours sur les snaps.
Mettons un snap une fois par semaine. Là, elle a l'air d'être un peu à la dérive. Voilà, mais piou-piou, lui demander d'arrêter les ballons, la fumette et l'alcool. C'était la condition. Et franchement, il a motivé à faire du tournage snap. Voilà. Peut-être qu'il devrait lui permettre une fois par semaine, le temps que ça aille mieux. Je pense que quand on va se réfugier dans des artifices, que ce soit alcool ou autre, c'est parce que des fois on a envie de s'évader de la réalité, qu'on est un peu déçu de sa vie, on est un peu malheureux et on s'évade. On s'évade. On peut être célèbre et malheureux, on peut être. C'est comme ça. Après, beaucoup de gens, beaucoup de followers de la team Nasdas la détestent, mais je pense que je souhaite pas la mort. Elle a fait une pratique très dangereuse des ballons. Elle a fait une pratique très dangereuse. Je vais pas en parler, mais voilà, ça se fait pas n'importe comment. C'est voilà, tout simplement. Manière, c'est pas très bon, ça donne des insomnies, mais je pense qu'il devrait lui laisser une fois par semaine, une fois par semaine, mais pas tous les jours non plus, une fois par semaine, peut-être le temps que ça aille mieux. Et que je pense que dans la vie, si on va mieux, ben on peut se passer d'artifice. Moi, je m'en suis souvent passé, j'ai souvent arrêté les fumettes, les conneries, tout ça. Et même l'alcool, j'avais arrêté, je buvais plus pendant très longtemps, je m'étais remis au sport et tout. Et quand ça allait pas, que j'étais énervé, tout ça, ben je replongeais dans l'alcool. Une fois, si j'ai replongé dans la fumette. Voilà. Après, des fois, il faut se casser la gueule deux, trois fois pour comprendre et aller de l'avant et faire des trucs dans sa life pour essayer d'avancer. Et essayer d'avancer, se mettre des objectifs, les atteindre, se mettre des plannings, des trucs à faire pour que essayer que ça aille mieux. Ouais, pour essayer d'avancer, je pense. Hein. Je pense que c'est triste. Des gens l'ont filmé à son insu, à Asia, d'assez loin. Elle avait pas l'air. Elle n'avait pas l'air. Et j'habitais là-bas avant. J'habitais là-bas. Antibes, Juin-les-Pins, Cannes, Nice. J'ai habité dans toutes les villes de la Côte d'Azur. Vence aussi. Saint-Paul-de-Vence. J'ai habité dans toutes les villes. Mais. Voilà. Elle n'a pas l'air au top là. Si, elle n'a pas l'air bien du tout, quoi. Voilà. Malgré les problèmes qu'il y a eu, voilà, je ne souhaite pas non plus le. Le mal extrême. À part. Non, je rigole. Je rigole. Donc, voilà. Voilà, c'était les stories. Je me suis un peu détourné du sujet. C'était les stories des membres de la team Nasdas aujourd'hui, avec les membres historiques de la team qui ne snap pratiquement plus. C'est dommage, je trouve, c'est dommage. Ils devraient tirer leur épingle du jeu, justement. Du fait que Nasdas ne sent plus pour avoir plus les projecteurs vers eux. Crimo, lui, il est plus régulier, par exemple. Crimo, Kinaï aussi, là, il est motivé, il a faim, Kinaï. Hassoun aussi, il a faim. Ça se voit. Waharani, voilà, il snappe plus le quartier, un peu côté bled du quartier, le côté bled du quartier. Il y a qui encore qui est. Voilà. Donc, et puis voilà, pour ceux qui ont loupé les stories, ceux qui sont abonnés à 100 Snapchatters, c'est quand Snapchatter qui regarde pas toutes les stories, à ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social, le Snap, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Snap, ceux qui ont loupé les stories parce qu'elles s'effacent au bout de 24 heures, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.